catégorie interprète, alors qu'est-ce que vous allez ce soir vous interpréter? Alors ce soir, je vais interpréter une chanson de M. Charles Aznavour, qui s'intitule « Je t'aime ». A-I-M-E. Je ne sais pas ce qu'il a à dire. Non, mais... C'est pour ça que je vais l'interpréter ce soir. Justement, ce n'est pas évident à dire. C'est un mot qu'on nous a appris à dire, surtout quand on était plus jeune. Puis arrivé avec le temps, quand on grandit, on a du mal à s'exprimer et à le dire, quoi. Donc moi, je vais vous l'interpréter ce soir. C'est bien d'avoir autant de vérité. On vous écoute. Merci. Un papier couleur de lys à l'encre bleue, et je m'applique. Quand ma plume manque de chance, et s'en sortant de l'encrier, une tache sur le papier que je déchire et recommence. Je t'aime, A-I-M-E, t'aime le cœur en feu. Quand il anime sa feu, ça me pose un problème. Allez, je barre feu, mais je garde, je t'aime. Je t'aime, A-I-M-E, simplement j'y ajoute ces mots. À la folie, mais soudain j'ai un doute. Folie avec un L, un seul L ou bien deux. Deux ailes seraient mieux. Tellement plus joli, mais bien sûr plus vivant, vivant comme une envie, que le bonheur attrape comme un papillon bleu au cœur d'un amoureux inquiet de l'orthographe. À l'école, j'étais le camp dont on ne pouvait rien tirer. Guettant l'heure de la récré, l'œil fixe et les doigts tachés d'encre. Aujourd'hui, je me désespère, j'ai des lacunes et je le sais. Mes amoureux, ils me viendraient, velléités et ficelaires. Je t'aime, A-I-M-E, et je n'ai foi qu'en toi. Comment décrire foi, privé d'un dictionnaire? Il y a tant de fois dans le vocabulaire. Oh, je peine et je m'en veux. Allez, je place un S. Mieux vaut peut-être un E. Franchement, ça me stresse et mon foie fait des nœuds. Des heures d'affilée penché sur ce papier, je corrige et rature, puis j'envoie tout valser, maudissant l'écriture. Écœuré, j'abandonne au diable mon stylo. Je dirai tous ces mots en kilo téléphone. Je prends le combiné. Martine, c'est toute la salle qui a envie de vous dire je t'aime ce soir. Bravo, elle nous vient de Narbonne, Martine Demongé. Bravo. Merci.